Salut à tous, c'est Mémon sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ça va top et toi? Ça va topi top. Aujourd'hui, on se retrouve pour une decklist, un mélange de magnificence, de beauté et de choses que les gens n'aiment pas. J'appelle ça un deck, tout simplement. Un deck Magic. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas certaines choses dans les decks Magic. On en a parlé avant la vidéo avec Val. Et je lui ai dit, oui, mais tu sais, il y a des gens, ils prennent un contre-sort, ils concèdent. Il y a des gens, ils se prennent un blast, ils meurent contre mono rouge, ils concèdent, ils sont pas contents. Enfin, s'ils meurent, ils concèdent, c'est normal. Du coup, c'est dur de trouver un deck qui vraiment réunit les gens. Et là, on va essayer de se rallier sous le drapeau de la belle magie. Sous la belle magie, surtout sur le drapeau du deck building, parce Le que drapeau même si japonais. de connaître cette decklist et d'avoir déjà vu cette association de couleurs, la decklist est savante. Ah, incroyable. La decklist est vraiment savante et le drapeau de l'innovation, comme souvent, est japonais. Toujours, toujours, toujours. Est-ce qu'on parlerait pas, juste avant qu'on storytell un peu cette liste, de Playing by Magic Bazaar? Oh, j'adore que tu me lances comme ça, mais bien sûr qu'on va en parler. Notre sponsor, Playing by Magic Bazaar, merci beaucoup à eux. Comme d'habitude, le petit code qui fait plaisir, enfin, petit code de taille raisonnable, VALEPL 2020 sur leur boutique. Ça marche une fois par contre. Sur votre panier, 50% de points de fidélité supplémentaires. Les points de fidélité, 1 euro égal à 1 point, 50 points, 50 mon achat. Dinguerie. Utilisable sur tout. Utilisable quand vous le voulez. Cumulable pour avoir plusieurs bons achats et tout. Parce que c'est un système de fidélité. C'est pas en une fois. Enfin, ça régale. C'est pas forcément en une fois. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui utiliseront. Code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Va le remercier. Merci beaucoup, merci à tous. Et Merci on beaucoup. sait que vous utilisez notre compte, enfin notre, pardon, comment il s'appelle? Code fidélité sur Magic Bazaar, je suis complètement fou. On sait que vous l'utilisez et ça nous régale. Voilà, merci à tous. Ouais, franchement, J'avais top. tout ce qui était notre code fidélité. Voilà. T'as dit quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. J'avais perdu le nom de ce qu'était notre code fidélité. Je cherchais le mot code fidélité. Tu sais, quand ton cerveau bug, brain fart, ce qu'on appelle Ouais, je vois. Brume, et eh ben voilà, j'étais dans Oh, la brume. la brume de cerveau. Je me suis permis, pendant qu'on faisait ça, de changer les landes, hein, quand même. On Tu va as tout à fait se faire. raison. Tu aurais pu demander John Evan, mais tu fais ce que tu veux. Hey, mais petit bug en ce moment, et des fois, les John Aven, ils disparaissent. Allez, d'accord, on va faire attention alors. Donc voilà, en tout cas, c'est les Unstable et John Aven, je crois. Donc je suis parti sur du Teros. Ça, pour l'instant, ça n'a pas encore buggé, ça fait plaisir. Du classique. L'énergie Pokémon, ça régale. Qu'est-ce qui s'est Exact. passé avec Dis-nous cela? tout. Du cerveau, du coup pas malade, hein, du cerveau très impressionnant de Shintaro Ishimura. C'est qui Shintaro Ishimura? C'est le joueur Rivals League qui, il y a 2 semaines, avait ramené Rakdos Control, ce qui a découlé des jeux Turbo Hygiene. Vous vous souvenez, hein, Irocrack Fit, Big Red, tu connais. Red, voilà, qui est devenu Big Red pour jouer des Hygiene récemment. Et ben, ce week-end-ci, encore une fois au Split Rivals League, il a ramené cette decklist-là. Shintaro Ishimura, joueur japonais, c'est un petit peu le Kenyuku Hiro de la Rivals League. En ce moment, il fait beaucoup parler de lui parce qu'il ramène des brews, donc c'est-à-dire des decklists personnelles toujours très innovantes. Et on sait qu'il aime bien jouer des Ugin. Voilà, il aime bien jouer des Ugin rapidement. Vous ne le voyez pas à cause du cosmétique, mais il y a 4 Ugin dans cette liste. PL va peut-être vous montrer le style de carte, le bon cosmétique. Yep, je change de suite. Hop. Voilà, en fait, il y a 4 Ugin dans cette liste-là. Et le but, c'est de le jouer le plus rapidement possible. Ça ressemble à un deck ramp, mais il y a quand même une grosse dynamique contrôle dans ce deck-là, avec notamment les interactions comme Prophétie de Feu, les Perturbations de Jouari, les En plein roulis et les Chars Typhon pour avoir ce plan de jeu en mode, ce que j'appelle le plan de jeu attentiste, attendre que l'adversaire bouge et pouvoir le punir en fin de tour avec vos Typhons de Requin. Et du coup, vos Ultimatums de Genèse, ils sont pas là pour jouer des Terreurs des Pics et tuer avec des gentils Jarico. Pas du tout. Ils sont là pour clean le board avec des Ugin ou alors vous donner plein plein de cartes en main et pour jouer des Typhons de Requin en hardcast comme les gens les aiment. Oh, ça y est. Et ça, Ah, ça fait. Mais il fallait commencer par là, Val. On s'en fout du reste. Il fallait dire, on va c'est arcade des typhons de requin aujourd'hui. ah, on Bah, va hardcast régalade. du fond de regain. Et on voit aussi que c'est bien pensé. Bah, c'est normal, c'est un bon deck. Parce qu'on a les interactions à deux qui sont là, au nombre de 8. On veut vraiment contrer et tuer quelque chose. Into ramp avec ceci. Dans ramp potentiel avec voie migratoire, où on s'ouvre encore interaction ou en plein roulis qui est très très fort en tempo. Voire même un petit shark typhon. Et derrière, si on a pu ramp encore en tour 4, bah on fait juste un ultimatum, quoi. Donc régalade. Il y a vraiment le côté. On a une rampe de lancement, mais en même temps, il y a un petit escalier sur le côté. Et on peut également emprunter cet escalier pour aller tout en haut. Et pouf, C'est on passe. exactement ça. Et une carte comme voie Magnifique. migratoire qui n'est pas jouée dans les versions ultimatum, en fait, quand vous faites voie migratoire tour 4, bah, le tour d'après, vous pouvez caster votre ultimatum parce que ça fixe vos couleurs et ça va chercher les deux landes qui vous manquent en fait. Vous allez Yep. passer du coup de 4 mana à 7 mana dès le tour d'après en posant votre lande de votre main.
et ça c'est fantastique. Il y a un truc aussi qui fait que ce deck il est plutôt bien placé et très ingénieux, c'est une compréhension très fine et très aiguë du format d'avoir buildé ce deck là, c'est qu'avec la domination des decks Doomfortall d'actuels, déjà les decks ramp étaient plutôt bien placés, mais en plus de ça là on a un deck ramp qui ne joue pas de créatures, donc qui ne donne pas de cible à tous les removal de notre adversaire. Exact. Mis à part les tokens de typhon de requin ou les géants tiges de haricots, mais bon, ça c'est plus tard. Mais le mal aura déjà été fait. Exact. Et donc vraiment, c'est une des listes qui est super intéressante et c'est pour ça qu'on voulait vous la présenter. Ah, ça me régale juste. Je suis full régalé. Est-ce que ce side, on a des choses à en dire, voilà. Bon, on a souvent parlé de ces cartes-là. Alors, Aperçu de la Liberté, c'est une carte qui grinde bien, notamment contre les decks contrôle. Ça permet de piocher une carte si elle est là dans la game. Et c'est très bien contre les decks rogue. Donc les decks gredins qui vont nous la meuler, ça permet d'échapper des cartes de notre cimetière et faire un petit peu de value. La Negate, c'est dans les mirrors et contre les matchups Doomfortall. Feu du Dragon Dévastateur parce que Grul, pas gentil Grul. Dispute très méchant Grul. Très méchant. Dispute Mystique. Après Grul, il prend Ugin et il rentre chez sa maman, tu vois. Donc bon, tout est relatif. Dispute Mystique, c'est bien dans le mirror aussi et c'est bien contre les plans de jeu un petit peu contrôle. Il y a Dimir Contrôle qui revient très très fort dans le format actuellement. L'Eclotis, c'est très très bien contre Rakdos. C'est genre une play contre Rakdos, vraiment insane. Et c'est ok contre les decks rogue aussi. Garde Akros, pour moi, c'est la meilleure carte du format quand ton adversaire joue des créatures. Et le buff de Lagonas, pareil contre Dimir Grodin. Dimir Grodin qui est probablement le plus mauvais matchup du deck. Donc attention. Attention les ballons. Est-ce qu'on n'est pas juste parti en fait? C'est parti, ça me régale, on est parti. Zou, zou. Et zou. Franchement, quand tu vois la liste, elle est tellement différente des Temur Ramp classiques. C'est incroyable qu'il y ait des mecs qui arrivent encore dans ce méta qui est déjà vachement stable, avec plein de decks déjà divers et variés. On a l'impression que c'est bouché, on peut plus rien créer. Eh ben non, il y a des mecs qui arrivent avec ça, quoi. Il y a 5 extensions, parce que souvent ça peut arriver en milieu de standard, entre guillemets, avec 6 ou 7 extensions où t'as beaucoup de cartes, donc tu peux créer des decks que les gens n'avaient pas vus, etc. Mais là, non. Il n'y a que 5 extensions, mais ça permet de faire plein de dingueries, quoi. Ah ouais, le standard en ce moment, il est très stable. Il n'y a aucun deck qui est plus dominant qu'un autre. Quand on voit les matrix de winrate, notamment, les meilleurs decks sont à 55%, les plus mauvais à 45%, ce qui fait que c'est quand même très, très... ça se tient dans un mouchoir de poche. Mmh. Il y en a plein différents. Et en plus, on arrive à trouver des decks, ce qu'on appelle des broods, des decks un petit peu exotiques. Ça fait très longtemps que le standard Magic Arena n'a pas été aussi flex, hein, faut le dire. Yep, on va garder cette main, elle est très bonne. Oh, c'est qui paie, hein. Qui paie le plus, paie le moins. Exactement. Et on va triome tap. Yep. J'ai changé la disposition de la cam aussi, tiens. Je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais j'ai mis Val en bas à gauche. Ouais, j'ai vu. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils préféraient. Enfin, qui auraient aimé qu'ils soient à côté, forcément, mais c'est pas possible. Donc écoutez, je reste comme ça. Si jamais c'est pas bien, n'hésitez pas à le dire. Bon, du coup, ça fait déjà 2 vidéos que c'est pas bien. Si c'est pas bien, rip. Je pense que c'est bien. Tu vois juste pas mon rang et mon deck, c'est ça? Alors si on voit ton rang, on voit juste pas ton deck. On voit juste pas mon deck et on voit pas le cimetière, mais tu peux cliquer dessus pour l'afficher. Ouais. Et dans l'autre, si tu voyais pas le pet, tu pouvais pas jouer avec le Lotus. Je pense que c'est mieux ici, du coup. Ouais, franchement, le Lotus est quand même très important, je trouve. Donc c'est peut-être un petit Grul. Alors là, si je veux ramper, ouais, si je veux ramper, je peux pas faire ça. Et là, il a rien normalement de trop chiant autour d'eux. Non. Bah, je crois que c'est trop important de trouver tes terrains surtout. Mm. Parce que là, je crois que ton plan de jeu c'est Ugin maintenant. Yep. L'avantage de cette liste-là, c'est comme on enlève toutes les cartes qui avaient pas beaucoup d'impact, genre les Cobras de Lotus, les Terreurs d'Épique, qui sont des cartes qui valorise vos ultimatums mais qui sont pas très puissants dans le reste dans les autres plans de jeu. Là, toutes ces cartes là elles sont out, on a beaucoup d'interactions à la place. Bah, tu vas culture, pépouze, hein. Pépouzi comme on dit. Ouais, je réfléchissais à faire land tap pour faire voie migratoire, mais en fait, je peux faire culture dans voie migratoire, donc on va chercher une forêt de montagne, je pense. Zoup zoup, mettre une montagne, pardon. Donc c'est une liste qui se fait moins prendre de vitesse, moins prendre par surprise par les decks agressifs. D'ailleurs, on joue pas contre Grul, on joue contre Golgari Adventure. Il l'avait indiqué. C'est un deck du format. Ah non, c'est Dimir, ça, pardon, c'est pas Grul. Yep. Disparu, mais Slowlier le joue actuellement. C'est pas mal contre Grul, pour le coup. Alors, on va... Triomphe voix.
Ouais, je pense, ouais. Et le tour d'après, tu pourras commencer à hardcaster ton char qui fond pour avoir des bloqueurs à l'infini ou juste tout simplement jouer un Ugin peut-être. Chercher encore forêt montagne, je crois. Ouais, exactement. Et là, tu peux jouer Quatrium Tria Tap. Et le tour d'après, tu pourras déjà d'ores et déjà Ugin. C'est quand même fantastique comme deck. Oh, c'est incroyable. Là, ce serait bien qu'il fasse Questing Beast, si on a une. Dommage. Oh là là. Ah, ça c'est très bien exécuté. Oh la punition. Allez, on se voit monsieur. Et en fait, il y a beaucoup de cartes de rampe dans ce deck là. Et ce que j'ai adoré, notamment quand j'ai joué contre mes adversaires, c'est que, ok, il y a beaucoup de cultures qui sont des cartes mortes en late game. C'est des tokens sous Shark Typhon. Et ça, c'est régal. Parce que ouais, ça, je vais le recast au prochain, je vous le dis. Hein. Rien à foutre. Ah bah. Il faut, s'il y a bien une decklist où t'as le droit de le faire. Bon, en vrai, il faut pas tout le temps le faire non plus. Et bon. Là, je vais tout le temps le faire. Mais il y a quand même pas mal de spots où c'est sympa, et là, notamment, c'est très très bien. Donc, Shark Typhon into Culture. Et là, c'est juste fini, en fait. C'est terminado, il me semble. Ah, c'est très terminado. Et tu vas voir, si tu résous un ultimatum dans ce spot-là, bah, tu crées une 7-7. Et tu vas pas mettre une terreur des pics, des trucs comme ça ou quoi, tu vas juste avoir plein d'interactions dans ta main. Tu vas juste en 5. Je fais une 7-7 et je pioche 5. Mm. Et c'est trop bien. Alors il pioche des cartes et il a pas fait attention, mais on est en train de s'en foutre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il fait ce qu'il veut, je m'en cague là. C'est trop tard. Le mal est fait. On enlève tous les lands en plus de la decklist. Oh là 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 là, c'est fantastique. Tu vas pouvoir faire des tokens et piocher des cartes et que t'es en plein roulis. Qui s'en cague de ce que fait Slowlier? Mec, je peux juste faire en plein roulis kicker deux fois. Ah, je vais lever les deux mains. Et juste c'est terminé en fait. Vas-y, vas-y. On est d'accord, ça n'a rien à voir avec le gameplay Temur habituel, Temur Ramp. Ah, rien à voir. Temur Ramp, on gagne. Là, on prend du plaisir en gagnant. Non mais parce que je vous vois venir dans les commentaires, ouais vous jouez encore rampe et compagnie, ça n'a rien à voir, je vous promets. C'est pas du tout le même gameplay. Bon, on va bouncer, qu'importe, le tavernier je pense, pour pas lui faire rejouer d'aventure. Allez, kick donc ça. Ah il est 2-2, je croyais que le kick ça prenait un coup mais non. Ouais, bon. Oh, ah, bah voilà. Bah voilà. Allez, vas-y, let's go. On fait que des onomatopées. Ouais, bon. Fantastique. Bon, c'est gratuit, pose-le. On va juste bolt un truc. En vrai, tu bolts ce que tu veux, je m'en fous. Ce non-respect. Ah bah, si tu me dis ce que tu veux, c'est dans la tête. Hein. Tiens, je peux en refaire hein, si tu veux. Ouais, tu peux tuer ces deux tokens aussi. Ouais, pour voir, tu sais quoi, juste passe à la 2 en fait. Fais-nous gagner du time. Je rentre rien, on s'en fout. Voilà. Ah, mais il me semblait. J'avais un coup de fil et. Le mec a défini qu'il ne battrait jamais notre deck avec son deck. Et il a regardé son side comme ça. Et il s'est dit, ah bah, je suis foutu. Tu m'étonnes. Là, je peux que perdre du temps si j'en lance une. Il s'est dit. C'est vraiment un deck, pour l'avoir rencontré un petit peu en ladder, qui, si t'as pas la bonne stratégie, est écrasant. Mm. Bah, c'est vrai que. Il te dit non, il tue tes bêtes, et au bout d'un moment, il te met un plan de jeu juste trop fort. Et on n'a pas relevé qu'on a hardcast un typhon de requin comme ça, mais c'est incroyable en fait. Juste. Ça fait plaisir. Ça, vraiment, le chat Twitch est en folie. Alors, le chat Twitch est peut-être pas. Mais. Mec, je vais jouer ça fort, hein, je te le dis. Tu vas jouer ça fort? Ah, je suis. Bah, jusqu'à ce que ça marche plus. Donc, j'espère que ce sera le plus tard possible, mais. J'adore. Bah, si ça marche plus, il faut l'agresser très très fort. Faut jouer Mono Red, Winota ou Grul, quoi. Mais moi, je vais être malin. Je vais y mettre des grands Chromelec. Elle est un peu nulle, hein, cette main. Ah, elle est nulle. On va lui dire. Ouais, on va lui dire non, je crois. Ah, elle est pire. Ah, ouais. Elle est mieux. Elle est bien. On va enlever
Du La coup. forêt, je crois. La montagne, pardon. J'ai oublié Ça qu'on et ça. Et on garde perturbation et prophétie. Ouais, ça me va. C'est Bing. Bah si le but c'est vraiment de les hardcast, les typhons, je pense qu'on peut les remettre à plus tard. Pas dans tous les match-up, hein. Il y a des match-up où tu veux pas hardcast les typhons, attention. Oui, bon ça m'intéresse pas Val en fait. Qu'est-ce qui nous joue le coquin? Ah, super. Nice C'était mieux. win. J'adore ce deck. Est-ce qu'il peut poser une carte qu'on va pouvoir perturbation de Johari? Allez là. Ah, on va pouvoir la negate celle-là. Ça dégage, ouais. Une, ça suffit, pas deux. Faut pas déconner. Ouais, elle en tape, hein. Ton prochain ultimatum. GG. Tu vois, j'étais en mode bon, j'ai un peu peur là, ce qui va se passer. Et d'un coup, j'ai vu l'ultimatum dans la main, j'ai fait ah, c'est Ouais, ça va se passer. Ah, tu vas pouvoir perturbation de sa bête frappée bon. Ouais. d'amour. Ça. Ah, ça c'est nickel. Ouais. C'est non. Non. Tu sais que quand je prends ça en ladder, j'ai vraiment envie de bouffer mon bureau, quoi. Ah mais tu peux partir, en ladder tu peux t'en aller. Prends plutôt du vert, non? Ouais. Bon, ça marchait pas, je cliquais, il se passait rien. Un peu plus demandeuse. J'ai pas envie de défausser ça et ça, donc après je dois trouver des landes, donc ouais, je sais Je pense pas. que tu vas quand même défoncer Ugin ici hein, et Ouais. gérer l'Oie d'Or. T'as pas trop le choix. Yep, yep. En vrai, on fait les malins là, mais on est un peu dans le ravin donc. Bah il a piste de miettes qui tourne, mais il nous agresse pas, donc il nous laisse le temps de trouver des choses. C'est ça. Après, une simple culture, une voie migratoire, il y a moyen de faire des trucs. Ah, quand même, tuer l'Oie d'Or, je pense. Parce que faut pas déconner. Et on va renvoyer le Ugin, hein, je pense, en dessous de la Ouais. bibliothèque. Oh, je peux en mettre deux. Ah, c'est bien. Ouais, dans un Timon, c'est bien. land. Super. Engagé. Ouais. J'aurais pu garder pour recycler, mais c'est pas S'il très. met du temps, nous, Ultimatum, ça nous met bien. Donc, Ouais, là en let's plus go. avec trois triomes, on va pouvoir le caster facilement. Peu importe les landes, on sera bien. Ouais, faut pas aligner Juste encore pas deux forêt. forêts. C'est dramatique. Tout sauf forêt, on est bien. Ah, là il nous reste moins de temps, tu vois. Ouais, va falloir gérer vite. Ah bah c'est bon le tour d'après. Nickel. Bah du coup je vais faire ça. Ouais, tu peux aller chercher île et montagne du coup. Ouais, il est montagne. Île. Et je joue montagne. Ouais, et là faut quand même que sur notre ultimatum, on trouve quand même des trucs un peu sexy quoi. Ouais, l'avantage c'est qu'il coûte 6, donc si on trouve un Ugin, on peut exiler et garder le Ouais, Ugin. on va pouvoir dire non à tout ce qu'il propose. Là, ce qui est chiant, c'est s'il a un four. Pour l'instant, il nous laisse tranquille. Ok, super. Bah écoute, ultimatum. Tu peux lander après en vrai pour voir plutôt ce que tu vas piocher. Ouais. Oh, je voulais hardcast le typhon, hein, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, j'y vais. Bah On va tout voilà. poser. La forêt. Et il faut pas qu'il nous tue le tour d'après. On pourra stabiliser dès le tour prochain. Ouais. Là ça va parce que je peux faire un jeton de 2 pour encaisser un peu les dégâts. Ouais, parce que le problème c'est qu'il piétine, ce qui est un chouïa dommage. En vrai, je sais pas si tu encaisses des dégâts là, je pense que tu prends tes 8. Hein. Parce que je suis non, je peux faire un 2-2 et tuer la 1. Ouais, c'est pas idiot. Après, le problème c'est qu'il va nous faire méchant loup, mais c'est peut-être pas mal en fait qu'il commit du board. Ok, ça me va. J'ai du rouge, je crois qu'il reste une montagne. Et en plus, on Ça nous avance fera dans le deck. vers un potentiel Ugin. J'ai effectivement un peu peur du four ici quand même. Après, si tu commences à créer des tokens 7-7, on va pas trop attaquer avec son roi troll. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À suivant ce qu'on trouve, on peut peut-être, si on trouve genre Land et Ultimatum, on pourra en recaster un. Yep. Ok, méchant loup, c'est parfait. C'est le genre de carte qu'on veut voir dégager sur Ugin. Ce qui est un peu chiant, c'est que notre Ugin, il va aussi raser notre typhon là, mais bon, ça sera un mal nécessaire, je pense. Ouais, il fallait. En fait, si jamais on le trouve pas, ça nous fait des bloqueurs, donc il fallait le jouer. Maintenant. Zou.
Je sais pas, on coche plein Toujours. de bonnes cartes. On peut land. Alors, et maintenant faut réfléchir. Déjà, là, avec le troll, il nous tue plus, mais J'ai il faut 5. gérer. Faut Ouais. générer d'autres. J'ai 5 mana. Je peux garder une prophétie de feu pour faire une 3-3 en instant et 3 points, ce qui trade un Ok. roi-troll. Du coup, il faut culture. Donc là, je pense que je dois culturer. Ok, vas-y. En vrai, Char Typhon, ça a l'air dur à battre hein, pour sa liste. Et le tour d'après, on devrait pouvoir gagner sans avoir besoin de raser son board avec Ugin, mais juste en développant Ugin et une armée de tokens en fait. Ouais, bah Ugin, ça. Enfin, si on le trouve, ça fait une 8-8. Si on le trouve là-dessus, ça fait juste. Plaisir, quoi. Il faudrait pas qu'il ait un méchant loup. S'il a un méchant loup, on a quand même perdu, je crois, en fait. Bah, Ah non, alors je recrée une 3-3. pas avec la prophétie de feu. Donc, normalement, non. Bon, écoute, t'as même pas besoin de prophétie pour l'instant. Tu peux juste double bloc. Enfin, tu bloques la 7-7 avec la 7-7 et la 3 et la 4-4 avec la 3-3. Hein. Ouais. Ça a l'air tellement impassable, Char Typhon et ce qu'on a en main. Ah mince. Quoi? Ah si, c'est bon. Parce que s'il Vas-y. ramène droit troll, je peux tuer méchant loup. Donc c'est bon, nickel. Et vas-y maintenant. Clean Response. Zoop. Et on va balancer cette perturbation de Jawari. Hein. Eh oui, ouais, ça c'est un mauvais land là. Ça c'est une très bonne bête. Je comprends ce qu'il a voulu faire, Shintaro Ishimura. En gros, en vraiment, en late game, il est impassable ce paquet. Et on voit que, bon, à part les perturbations de Jawari, les prophéties de feu, ça reste fine quoi. C'est topi top, hein. J'ai adoré. Ça a d'ailleurs pris la place des Scorching Dragonfire, même dans les decks Gruul. Je trouve ça très smart. Ouais, bah quand t'as déjà Limon qui va peut-être se chercher le cimetière, t'as pas besoin d'exiler les créatures quoi, ou Et en tout comme il n'y a cas pas de très peu. Planeswalker, la ligne Planeswalker, elle n'a pas trop de sens sur les Scorching. Donc, Ouais. Prophétie de Feu, ça te permet d'avancer vers tes Umbercliff dans Gruul. Là, ça te permet d'avancer vers tes Ultimatums. C'est une bonne carte que les gens avaient un peu mis de côté et qui revient très très fort. J'avais énormément drafté cette carte en Drafticorium. Allez, elle est très très cool. Bah, donne tout, mec, on va juste te faire une petite épilation là, au tour Oh, d'après. lasers. Ouf. Ah, bah, attends, tu peux juste impact là, hein, en fait. Je peux impact, tuer les deux, après je meurs sur Questing Beast. Ah mais non, je vais avoir un Putain, token. de source sûre, le deck joue pas Questing Beast et de toute façon t'auras un Blocken, un bloqueur. Donc moi je tuerai les deux là. Attends, mais j'ai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors je Moins 7, t'explique, j'ai c'est. 6. Bah fais d'abord Ah, impact et tu je vois ce peux qui te pas tuer les reste. deux, ouais. Du coup. Ouais. Et si Ouais. tu landes, tu peux re-ultimatum? Non, je suis un mana short. 3, 4, 5. Il y Bah, a je encore sais. des lands. Fais l'aventure de géant, du coup, hein. Plutôt, non? Bah, voie migratoire, ça fait un plus gros. Ouais. Ouais. Là, je peux aussi voie migratoire et recycle l'autre. Et j'ai une 4-4. Comme tu veux. Je crois que là, tu sais, t'es un peu dans le spot où quoi que tu fasses, pas trop perdre cette Non, ouais. game. Hein. Je crois que je préfère vider plus ma bibliothèque. Il faut qu'il te reste le compte de land nécessaire, c'est tout Ouais, il m'en pile. restait pas. Il m'en restait 2 ou 3. Ok. Parce que là, en fait, si je le faisais, il y avait une grande chance que les voies migratoires soient vraiment plus bonnes à part être recyclées, quoi. Bon, comment il peut nous mettre les 4 derniers points là? Bah là, Questing Beast, elle passe mal. Ah, mais ça joue pas QB de toute façon. Ah mais c'est un peu le seul gros truc vert qui met les derniers points quoi quand il n'y a plus de board. Il pourrait avoir des Brontodontes main deck et casser notre Typhon, mais on va en trouver d'autres parce qu'on a encore un ultimatum en main. Bonjour Kogla. Là, il faut qu'il fasse une phase d'attaque pour casser Typhon et là, il n'est pas prêt d'attaquer tout de suite. Mais il a une solution. Ouais.
Belle bête. Ouais, c'est une belle bête. Ok, on va piocher sur voie migratoire. Ça, tu vois, je sens qu'on est en train de gagner cette game, mais que ça met un petit temps. Ouais. Le fait de ne pas avoir terreur des piques, ça joue un peu aussi. Hein. Bon, bah, c'est top. Ouais. Ultimatum. Ouais. Parce que si jamais, je peux hardcast et ultimatum. J'ai 2-6-6 fly. Ouais, mais tu vas les raser sur si tu trouves un Ugin, donc... Ouais, Ugin, je vais forcément faire moins X. Je sais pas, mais le problème, c'est que Kogla, s'il décide d'attaquer, tu perds un Typhon. Non, peut-être pas, cela dit. Peut-être que tu as intérêt à Typhon au préalable, alors. Genre là, je fais ça, j'ai 2-7-7 fly. Non, bah vas-y, ouais. 5, okay. 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ouais, c'est bon. Parce que là, du coup, son attaque de Kogla, on s'en fout. Si son Kogla attaque, il va prendre juste l'enfer ici, donc... Et là, on va bolter la gouze, très important. Ouais. Ah, mec, c'est fou, c'est trop bien ce deck. Brouh. Vraiment, encore que Magic a les joueurs japonais pour nous faire rêver dans le format, quoi. Ça me régale à fond. Putain, j'ai plus de basique. Du coup, je pourrais pas non. En plein rouler kicker. C'est pas grave. Non. Il va falloir que tu bounces le Kogla avant la phase d'attaque si tu veux pas qu'il te pète un. Ouais. Pète un char typhon. Et je pense qu'on veut pas qu'il nous en pète un. Je crois que là, on a juste lock la game, mais je peux me tromper. Faudrait qu'il ait le Ugin en side main deck pour comeback. Parce que là, si je bounce, il peut le rejouer et tuer un truc. Ah, mais il perd son Kogla. Ouais, je m'en fous en fait. Ouais. T'es juste un peu gagnant. Pas choquant, mais. Je fais 2-2-2 de plus. Et si jamais il tape des mains avant, ouais non, gros c'est fou, c'est trop bien. Je suis en train de dire, mais comment il fait en fait là? Je vais essayer Batfly. Garde la grosse. Ouais, tu peux en mettre deux. Après, tu peux pas non plus trop overside. Genre la liste est naturellement bien contre lui, faut enlever aperçu de la liberté qui sert à rien et negate, je pense. Ouais, exactement. Il va commencer, donc perturbation de Jory, c'est un peu moins fort aussi. Voilà, t'as pas le droit de les toucher. Ah ouais, parce que c'est le compte de land, ouais. Ouais, dans les comptes de land, tu peux pas bouger DFC, quoi qu'il advienne. Oh bah go. Ouais, une petite faiblesse, malheureusement, de la liste. Hein. On lui pardonne. Bah, cette game m'a régalé, sache-le. Ah, c'est énorme, c'est vraiment énorme. La game d'avant m'a régalé aussi, mais celle-là... Bah, la game d'avant, on l'a écrasé, tu vois. Il n'était qu'un insecte. Il y avait là un peu le... Genre, tu proposes à un mec dans un local game store de faire une game... Et vous vous êtes pas très bien entendu sur la compétitivité de vos packs et tu dis effectivement on joue pas dans le même cours quoi. À Shintaro Shimura, il s'est dit ok, c'est un petit peu la course à l'armement, tous les agros se midrangisent, on veut tous jouer des trucs un peu big red, doom foretold, les plans de side de Grul sont un petit peu plus cossus. Qu'est-ce qu'il y a de plus big dans le format? C'est quoi le truc le plus big? Ben voilà. Ah oh, big. C'est ce deck là. Il faut l'appeler Big Temur en fait. J'ai envie de keep. Il y a beaucoup de landes, non? Il y en a 28. Si tu comptes les dual face cards, il y a 28 landes, ouais. Franchement, sur un géant, en plus, on est sur le draw. Vas-y, garde là. Ouais, si on commence, je le mulligan, mais... Ouais, je pense aussi. On va juste, par contre, recycler le premier typhon de requin pour avancer dans les terrains. Yes. J'ai en plein roulis comme interaction aussi. Il a son four. Ça a une petite importance. On va peut-être kicker ça. Ouais, je peux pas bounce malheureusement, il faut que j'avance. Il va falloir recycler, ouais, t'es obligé. Bon, je passe. On va recycler le joueur migratoire parce que ça nous assure de jouer Ugin, donc on va recycler le typhon. Ouais. Là, je passe au cas où il nous propose un truc très chiant. Si on trouve un mana ici, on est trop bien. Si on trouve pas de mana, ça commence à puer. Après, on a deux draws là pour avoir un land, ça va le faire, je pense. Ouais, on en joue beaucoup. On aura eu 1, 2, 3, 4 draws en tout. Ouais, je pense que ça va le faire. Allez, 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 allez. Allez. Ah, attends, prophétie.
Ouais, je vais prophétie du feu. Ah, peut-être pas. Si sacrifice à gousse en réponse, tu bottom pas de carte. Bon, on aura géré la gousse de toute façon. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est quand même très triste de ne pas trouver ce troisième land qui nous fait Ouais. qui nous prend devant. Ouais, bah franchement, 4 draws, c'était pas déconnant. Ah bah, il retrouve Goose. Après, il est encore gentil, hein. Tu peux encore faire culture, voie migratoire, Ugin. Hein. Oh, bah, land tap, ok. Tu veux pas la bouncer cette. Ah bah non, on sert pas à grand chose. Il va la rejouer. Il Non, va on la dit de la merde. rejouer, ouais. Je dis de la Il va merde. faire moins de sélection, mais bon. Alors j'ai un de mes voisins qui s'est mis à scier. Je sais pas si si. Ah bah j'entends Je rien. m'excuse si vous entendez. Comment? Moi j'entends rien en tout cas. Ah, très bien. Parce que là vraiment il est en train de taper partout. Mais j'avais un voisin comme ça pendant le confinement. Enfin un voisin pas très loin de chez moi. Pendant le premier confinement, je pense qu'il a pris un marteau quand il se levait le matin et il tapait aléatoirement sur les objets. Là, Pendant il des frappe heures. partout, vraiment. Ça c'est chiant mais on peut le bounce. Ouais. On va le faire d'ailleurs. Ou alors je vais recycler. Je vais vérifier que le voisin en question, ce soit pas ma chérie, en fait. Vas-y, je bounce le retroll. Vas-y, vas-y. Pas du tout, c'est bien un voisin qui a pété les plombs. Essaye Il est de en train d'hurler, putain. ça appelle à l'aide, il y a du sang sous la porte, je sais pas ce qui se passe. J'ai dit de plus me déranger, il continue. Bon bah culture, hein, Culture. puisqu'on trouve jamais nos landes. Ouais. Là je veux du soleil. Il forêt je crois. Non, tu veux du rouge là, on n'en a pas. Si on a trium, mais ouais, je peux prendre une montagne. Ouais, prends une montagne. Mettre une montagne en jeu, c'est plus joli. Île. Bon, on rattrape un peu les landes. Ouais, le problème c'est qu'on gère pas le roi troll quoi. Il y a rien qui va le gérer si ce Ouais. n'est le Duke va générer un ultimatum mais. C'est pas perdu hein. Après, on le gère pas, ça dépend parce que. Ah ben non, mais il va refaire, il va le rejouer et faire full value. Ouais, là il a la boucle avec roi troll four Et c'est et tout. les foudres malheureusement. Mais Typhon de requin ça invalide bien ça donc. Là, je peux hardcast, voilà. Hey, mais c'est pas le but. Non plus, il va juste le sacrifier en réponse. Là, ce qu'il faut faire, c'est voie migratoire et proposer des trucs puissants. Je peux géant voie migratoire. Bah vas-y, c'est un bon plan. Le but, c'est d'exploser en mana pour lui proposer plein de plaies un peu dégueu. Ouais. Veir. C'est ça, et là, tu mets un rouge. Rouge. Et la voie. Et là, c'est quand même bien fantastique. Vas-y, ouais, c'est bien comme ça. Ouais, je crois que là, de toute façon, j'ai tout. Et là, on pourra proposer Ugin. Le problème d'Ugin, c'est que ça rase pas trop le troll, donc ça dépend s'il rajoute du board. S'il rajoute du bande, on est vraiment bien. Parce que on va enlever Wador, pièce de miette. On va lui faire consommer des tokens de roi troll, il pourra pas attaquer avec. Ah, il vient de Cromlech, courir c'est grand chiant. comme l'aigle, ça on le rase pas. Ça, Ugin bat pas ça. Oui. Il va falloir ultimatum du coup je crois et passer par un plan de jeu Shark Typhon. Eh ben allons-y, hein. Ouais. Après il y a un monde où on fait juste Shark Typhon, garde à Kross. Garde à Kross, ça lui fait sacrifier son troll, du coup bah il perd une phase d'attaque. Et après derrière on fait l'ultimatum. On peut faire chaque typhon garde accro si on trouve l'un des tables. Ouais, c'est ça le problème. Après on a Géant Tijaricho aussi qui bloque le roi troll festoyant. Oui, remarque là, il n'a pas de moyen de gérer. Je pense qu'il a plus d'anti-bête donc. Le problème, c'est qu'il a du board. On va l'en tap. Ouais, ça c'est sûr. Si on fait roi troll festoyant, tu peux faire un Shark Typhon 1-1. Non, c'est nul. Le problème, attends, si tu fais ça, il t'attaque derrière, il te met combien? 7-8. 6, 7, 8, ouais. Et on peut pas à la fois Typhon et garde à Kross, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si jamais Ultimatum. on fait.
Je crois que c'est le moment de begin en fait, et de faire le play qu'on a dit le tour d'après. Ouais, je crois qu'on y va. Hein. Le problème du Gin, c'est que ça gère quand même pas. Ouais, mais il survient, Ugin. Comment? Il survient un tour, Ugin. Ouais, faut le faire à x égale 6, je pense. Bon, il va faire de la value, mais il va perdre piste de miette, bête frappée, ses deux oies d'or. Ouais. Et il pourra pas attaquer avec roi troll. C'est ça. Donc. Oh! Petit bug de Val. Allô? Ah ouais? J'ai bugué? Non, je suis là. Ouais, t'étais un peu pixelisé et t'as fait un bruit genre jauge. Je suis rouge. Ah, je. Quoi? Il a. Ah, ça, j'ai cru qu'il avait pas sacrifié son troll. Putain, j'ai eu peur. Là, je te vois avec un peu de pixels, mais juste sur ton visage. Donc, j'ai l'impression que t'es flouté, t'es incognito. Je suis un personnage de Minecraft, tout simplement. Salut, c'est Steve de Minecraft. Il a rentré son Ugin. Il a rentré son Ugin, il l'a trouvé alors qu'il n'y en a qu'un, et il le joue quand on joue le nôtre. Nickel. Parfait. Une game rondement menée de la part de Yuki. Il a bien joué, il a bien joué. On peut plus typhon de requin, il faut espérer échatter sur l'ultimatum. Je crois, ouais. Alors, il faut même pas typhon de requin là, il faut directement ultimatum. Hein. Oh ouais, ouais ce que j'ai dit, on peut même plus typhon de requin, il faut chatter sur Ah, l'ultimatum. d'accord, pardon, je croyais que c'était typhon de requin et après chatter sur ultimatum. J'avais pas compris. Non. Allez. Allez l'OM. Ah, c'est Oh, bien garde ça. à. Bah, mets tout. Bon, je mets tout là, la boîte et les clous. Ah, ouais, tu mets tout. Oh, c'est comme c'est dégueulasse comme plan de jeu quand même. Enfin, moi, ça me régale, hein, mais. Ah, j'aime bien. Et là, tu vas bolter son Ugin avec ton Ugin pour qu'il Ouais. puisse pas raser ton géant. Et ça, c'est quand même bien fantastique. Tiens, prends ce Ugin. Oh, je peux regarder Akros, mec. Non, c'est bon, on est bien là. Non, c'est Vas-y, pas passe. mal. On est Ouais. en train de gagner cette game. Écoute. Attention, il y a une main pleine, grand cromlech et Ugin. Je vois pas comment il va passer, Typhon de requin, la deuxième garde à Kross. Bon, franchement, je nous sens plutôt flex là. Hein. Bah, la deuxième guerre, il va encore sacrifier, ouais, Eh ouais, mais du coup, il perd un max de temps et nous, on se développe. mais. Ah, c'est vrai. C'est quand même bien pour juste 3 foot de mettre une 7-6 vigilance piétinement. Ouais, surtout que tu pioches 3 cartes derrière quand t'as une piste de miettes. Ouais. Mais grand bien nous en a pris, ça a dégagé. Là, on va continuer les ultimatums. Du coup, est-ce que je fais pas un 2-2 en fin de tour pour aller choper un peu le Ugin? C'est vraiment ton seul plan de Ouais. victoire à la fin, c'est d'abord de gérer Ugin et de hardcast un typhon. Ok. Ah, deux Donc je food. pense Nickel. pas. Je pense Deux pas parce food. que là, de toute façon, avec géant, on va attaquer dans Ugin, donc son Ugin il dégage. Ouais. Sauf s'il décide de mettre deux bêtes. S'il met deux bêtes, ça sera un petit peu relou. Ah bah écoute, il a full mana là, et des cartes en main, donc s'il fait pas de bête, je Eh sais mais pas. il peut pas faire trop de board parce qu'on a un Ugin pour le raser. Oui, ouais, c'est vrai, remarque. Donc Ah, en fait, là, il va. il est pieds et poings liés, comme on dit. Oui, complet. Il est échec et mat. Bon, il est pas encore mat, mais il est un peu échec. Parce que là, on peut moins 6. Eh ouais, non, non, on le Et met tuer mal. le Hein. Ugin, hein. On le met mal, on le met mal. Ça, c'est parfait. Ça prend sa bolt de Ugin. Si on en reste là, ça me va. Un peu de bolt. Bolt à Garde à croix noire. cross. Attaqué avec la 11-11. Eh, c'est bon, gros, on est dans les clous. Et derrière, ultimatum. Moi je dis c'est bien. Ah, je trouve ça fantastique. Oh non! Ça, c'est le petit grain de sel. Bah, vas-y, pioche. Ouais, en On fait peut je peux trouver. juste moins 0 pour enlever ces deux trucs et. Ah oui, ça marche très bien, en fait, je suis con. Moins zéro, t'as raison. Bah, moins zéro, effectivement. C'est moi qui dis n'importe quoi. Ouais, j'ai enlevé ses foods. Mais non. Là, tu regardes la crosse sur son roi troll. Oh, le roi troll. Ah, il l'avait pas vu venir celle-là. Bien vu, hein. Et moi non plus d'ailleurs. Oh, c'est finaux, ça. Et il fait bien de Donc le garder chat. un food, sinon je vais piquer son roi troll. On y va, hein. Attends, il y a combien de gardes accro sur la rentrée? Trois. Est-ce que je fais pas ça d'abord? Non. Je pense pas. Je peux faire les deux, hein. Ah, t'es sûr de pouvoir faire les deux? Bah oui, j'ai 4 mana.
Si, ouais, ouais t'as raison, pardon. C'est moi qui ai des conneries. Shark Typhon casté. Ah bah oui, comme ça en plus tu crées un 4-4, c'est bien vu. C'est finement joué. Oh mais on est juste en train de le détruire en fait. Oh là là, ça c'est de la pulvérisation en bonne et due forme. Gros, mais t'imagines, j'ai vraiment l'impression que quand tu joues contre ça et que tu vas un peu en late game, comment tu bats ce que fait notre deck? C'est dur, hein. Pourtant il fait full value aussi lui. Hein. En face, on a le deck le plus value du standard avant que Ishimura vienne mettre son grain de sel. Allez, quoi. Ça je casse. Allez, poubelle. C'est nous qu'on a Ugin maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est nous qu'on le fait, le chose. Oh, j'aurais pu le mettre 14 à Ugin. Oh, j'adore. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo, les gars. Ah, il ramène son roi troll, on s'en fout. Ah, on en a vraiment mais rien à foutre. Tour d'après, on va faire Typhon dans Ultimatum. Ça va lui faire tout drôle. Est-ce qu'il va se battre contre le 4-4? Je pense que oui. Bon, ouais, on s'en fout. Laisse-moi te dire que ça m'intéresse pas ce qu'il fait là. Ah, mais pas du tout. Je vais fetcher en fin de tour ou pas? Est-ce qu'on a un intérêt à garder le fetch? On n'a pas de Vivienne dans le après side. On n'a rien à remélanger. Je crois que tu peux fetcher du coup. Ouais, je le fais maintenant. Cherche un mana rouge, je fais frappeur. Oh, plutôt Chaki bleu. Mio, ce qui lui arrive. Oh, le chat! Alors là, son méchant loup, ça va lui consommer un food, sinon il va mourir avec les gardes-cross. Tu vois, Shintaro, il a dû tester son deck pour le ramener. Et je peux te dire que tous les mecs qui ont testé contre lui, ils devaient être là en mode... Il est fort, ton deck. Ouais. Il devait lui dire, c'est de la merde, mais c'est fort. Oui, c'est ça. Ah, mais il n'a pas sauvé son loup. Est-ce que tu veux moins 3 ici pour juste casser ces deux bêtes? Je crois. Et pourquoi il a pas sauvé son loup? Ouais, je vais moins 3 à mon avis. Oh, j'y vais à fond là. Vas-y, moins 3 parce que de toute façon tu vas trouver un autre Ugin sur ton ultimatum. Oh, il va à fond le gars. Oh, ouais, mais vas-y, prends des foods, y a pas de problème. Nous on fait quoi? Typhon de requin into ultimatum? On a assez de mana ou pas? Tu vois mal, c'est un peu petit. 8. Ouais, on a largement 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais mec, j'ai juste trop de mana en fait. Allez, zou. En fait, t'es juste riche quoi. Mec, je suis richy rich. Richy richy. Zou. Allez, je fais 2, 7, 7 fly. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh. Ah, bah, y'a qu'une forêt. Putain, j'ai cliqué au moment où c'est apparu. Mec, c'est vraiment fantastique. Avec ta 16-16 du coup. Ah ouais? J'y vais? Bah qu'est-ce qui peut nous arriver? Si tu veux vraiment mettre 16, je peux lui renvoyer dans la main. Je crois qu'il est juste pas bloqué. Non, garde-le, on sait jamais ce qui peut nous arriver de dramatique, mais... Parce qu'à malin, malin et demi, hein, comme on dit. Ah, il peut vraiment plus rien nous arriver, je pense. Je pense que là, on est vraiment dans un bon spot. Un sweet spot. Tu dirais qu'on est dans le sweet spot? Ouais. Ça me fait plaisir pour mon rang là qui réévolue un peu. Ah oh non, il en a un deuxième, ça c'est pas normal par contre. Ça c'est triché, ouais. Littéralement. Il va falloir bouncer son roi troll en réponse. Enfin, pas en réponse, mais avant qu'il attaque notre Ugin quoi. Bah, je peux bouncer un permanent dans ma main aussi. Non, mais il faudra le faire. Ouais, mais non, on s'en fout en fait. Tu veux bouncer quoi? Bah, je peux reprendre un typhon de requin. Truguin s'il décide de bolt, mais attends de voir où il met la bolt. Ouais, je peux bouncer un Truguin aussi. Ouais, ça sera peut-être la meilleure solution selon où il bolt. Sachant que là, il est obligé d'attaquer avec le trigger de garde à cross. Ouais. Parce qu'en fait, là, il a un dilemme à moins x, x égale moins 0. Et dans ce cas-là, bah, notre Truguin survit et on n'a pas besoin de le bounce. Ouais. Mais nous, on va bouncer le roi troll du coup. Ah, je dis ok. Et comme ça, en plus, on peut recréer un token. Oh là là, fantastiquement. En fait, son Ugin, on n'en a rien à faire, quoi. Ah, rien. Je sais même pas pourquoi je me suis inquiété. Bah, parce que c'était surprenant, tu vois. Il a quand même un peu triché en jouant de Ugin. Mais ouais. Après, bon.
Le mec est bon, quoi. Ça y est, est-ce qu'on n'arriverait pas à ce fameux point du méta, comme on le disait à l'époque de M21, où c'est Ugin le problème? Oh, je trouve que c'est pas le problème, moi. Hein. C'est juste le. C'est le Alors, end. Le boss de fin de game, tu vois. Ouais, je dis une bêtise, hein. Il y a plein de decks qui s'en foutent un peu du Ugin, mais. Mais là, c'est Attention, quand même quand pitié. tout va bien, parle pas de problème, Val. Tu sais que les gens adorent ça, les problèmes. Hein. Ça me manque! Je me dis putain, il n'y a pas eu de drama sur Twitter depuis 2 semaines. Je ne Là. sais pas ce qui se passe. Il y a un viewer, il a entendu ça dans la vidéo, il a sorti son clavier, il a fait. Je vous l'avais dit que Ugin c'était un problème, ça fait 6 mois que je le joue, je ne comprends pas pourquoi il y a un blaze invoker qui coûte 8 et qui peut tout exiler, je ne comprends pas, voilà. Voilà, tu vois. Bon, Allez, les créons la créatures guerre. s'engagent. Quoi qu'on fait, dans quel ordre? Ouais. Quoi qu'on fait, dans quel ordre? Tu fais bien de poser la question, je me la posais aussi. Alors là déjà je vais lui mettre 4 points et Bolt, son Ugin il est mort. Bah vas-y, ça me va. Déjà, c'est le premier plan me plaît. Et 16 points ici. Ouais, vas-y, attaque avec tout. On s'en fout. De toute façon, on a double char typhon, là, il peut rien nous arriver. En vrai, cette game, on l'a gagnée. Maintenant, il suffit juste de la finir, tu vois. Exactement. Et il va bloquer avec le roi 3. Ah non, même pas, il bloque avec son mammouth du Kazandu. Le Bah vas-y, hein. mammouth. Et on va bolter le Ugin. Zwip. Ensuite, on va fetcher passage merveilleux. Attends, tu peux peut-être Je revenir suis sur pas la sûr que j'ai encore des basiques. Hein. Ah ouais, sûr? Ouais. Bah attends, on peut compter en vrai. Ah, je suis sûr que t'as 3, encore au moins une 4. montagne. Ouais, vas-y, j'y vais. Ouais. Vas-y, vas-y, t'y vas. Alors, t'as encore une montagne et peut-être une forêt. Ah bah j'ai un chèque. Parfait. Chercher montagne, on sait qu'on en a encore deux. Je recycle ça. Ouais, on aurait dû regarder ce qui nous restait dans la liste. Vas-y, vas-y. Oh, je l'ai deux têtes. Et 3, 4, effectivement, 5, maintenant, 6, 7. tu peux faire culture into giant. Bah, je peux faire double Donc, giant sinon. c'est un plan qui, ma foi, me semble fort, fort méchant. Sinon, je fais une 17-17. Et je garde en main prophétie pour faire des tokens en réponse ou quoi. Non, en 4, réponse 5, à quoi? 6, À son 7, 8. désespoir? Bah, il y a deux Ugin, il peut en avoir 3. Non, on s'en fout. Mais dans tous les cas, ça rase pas les. Ah, Si, si, ça mais rase il les perd tiens. son. Ouais, c'est bon, allez. C'est Oh, quoi? il en a pas 3, ça va, c'est bon. Pas à moi, Yuki. À d'autres, mais pas à moi. Il en Voilà. a pas 3. Je te le dis, Val, il en a pas 3. Parce que 1, bon, c'est ok. 2, bon, c'est bien joué. Plus, c'est déraisonnable. Et il a encore un Ugin, hein. Il vient de vrasser son Giant. Il a encore un Ugin, gros. J'ai le démon. Non, je pensais pour faire triple draw qu'il a fait ça. Ah, pour faire triple draw? Ça va, j'ai eu peur. Bonne synergie quand même ça. Insupportable. Pour un deck normal, parce que notre deck n'est pas normal, s'en fout un petit peu de cette value-là. Pour un deck normal, c'est imbattable ce qu'il fait. Ah, il en trouve un autre. Je pense que quand ils ont créé Eldraine, ils ont mis toutes les synergies d'un format standard, mais dans une extension. Ils se sont Mais dit, c'est ah, c'est ouf, hein. super bien, comme ça, ils ont juste acheté cette extension. Eldraine est complètement pété, hein. Genre mono vert foot, c'est mono vert Eldraine. Ouais. Ah ouais, bah attends, est-ce que je vois des cartes pas Eldraine là, à part le Ugin? Ouais, il y a Mammouth. Il y a un Havre qui s'est perdu. Ah non, mais c'est complètement insane. Et encore, tu peux prendre d'autres decks, il y a beaucoup de cartes d'Eldraine aussi dans d'autres decks. Tu prends Gruul, c'est Ouais. grosse base Eldraine aussi, hein. Toutes les bases aventures. Là, pas trop, nous. Dans celui-ci. Non, nous, ça va. C'est plutôt Ikoria, Zendikar, tout ça. Ouais. Alors on est dans la nouveauté, nous on vit pas dans le passé, tout En simplement. vrai, je crois qu'il y a quasiment pas de Eldraine à part les géants. Quelle bonne Bon, carte. 18 cartes, faut attention. Là Oh, il il y est en pas a 20. mort si tu fais moins. Ah mais non, tu peux pas faire moins 6 parce que bah t'as pas Ugin à moins 6 donc. Et j'ai pas le droit, ouais. Après, je peux proposer des phases d'attaque qui sont compliquées pour lui. Ouais. Ou je peux juste garder en bloc, mettre 4 points, un bolt. Non, mais de toute façon, tu t'en fous de C'est garder mieux. en bloc, tu peux juste créer 1000 tokens, donc Bah 1000, ouais, mais ils propose-lui. sont pas géants. Hein. J'y vais quand même. Ils sont quoi? Ils sont pas quoi, tu dis? Ils sont pas géants, tu vois. Genre, c'est 3-3. Ouais, Les enfin, 2-2. tu fais 2-3-3 pour 3, tu fais 2-3-3, c'est 6 de points, je pense que tu défends bien, non? Sachant que là, il est obligé Ouais. de bloquer en plus. Ouais, c'est vrai Ouais, je que pense j'y vais. que tu peux aller le détruire là en vrai. Le mec, il me dit, tu vas le détruire.
Ah bah je crois, hein. Je crois qu'on est en train de le détruire. En fait, Écoute, vous il avez... tient, mais déjà il va avoir un problème de cloque et il va avoir un problème de deck aussi. Il a combien de cartes dans son pack? À force de tirer, ça va rompre. Il a 20, nous on a 17. Ah, donc on n'est pas en avance sur ces points-là, faire attention. Va falloir générer quand même beaucoup beaucoup de tokens, mais ça va le faire. Ouais, mais on n'est pas dans le... On n'est pas dans le... Comment ça s'appelle? Dans le setup où on pioche, c'est lui qui va devoir trouver. Non, nous on va juste continuer à faire des cultures et compagnie et Et créer puis notre y a token. encore 3 Guin hein, dans ces 17 cartes aussi. Donc. Deux Guin, je crois, c'est le deuxième qu'on a mis, nous. C'est le deuxième qu'on met? Ouais, il a tué le nôtre en premier. Ah ouais, et encore deux. Alors là, je vais culture les derniers lands. Comme ça, on pioche que du gaz. J'adore péter. Je peux aussi fail hein, si je veux garder des cartes en bibliothèque, mais je crois pas. Non, je pense que tu veux piocher tes meilleures cartes. Ouais. On Je vais va lui bolt lander. la tête. Je lui remets une culture. Oui, c'est vrai, ça te proposera probablement l'étal dès le tour d'après. S'il a effectivement plus du guin, normalement c'est bon. À la base, moi, toutes les. J'ai découpé un petit peu ce deck-là pour le point Métao notamment. Et je sais que dans les listes, il y a un Ugin. Là, déjà, il en joue deux. Franchement, s'il en joue trois, il est advance. Très advance. Genre très en avance sur son temps, le monsieur. J'aurais pu Bolt tuer, mais la 6-6 qui peut pas attaquer me fait pas trop peur pour l'instant. Ouais, non, ça va. Alors, il va ramener un roi troll, draw 3 cartes. C'est tellement insane comme synergie. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je peux à la fin de son tour faire prophétie de feu sur une de ses bêtes. Contrer mon spell, payer un, et créer Ouais, beaucoup de on va faire tokens. ça. Je pense que tu vas faire ça qu'une fois et juste tu vas bottom la perturbation de piocher une carte de plus, non? Ah bah non, je me fais l'étale là. Je fais 1, 2, 3, Ah, 4, tu 5, 6, fais 7, l'étal 8, avec 9, ça 10, pour 11, 12. Bah en fait, juste cette ligne de play fait 12 points. D'accord. Donc si Ok. jamais il gère pas tout ce que j'ai, ce qui ne devrait pas Ouais, faut arriver. voir combien tu peux gagner avec ces foods. Mais ouais, ok. Ouais, bah après il peut pas garder des trucs pour gagner des points de vie et avancer quoi. Ok, il va manger un 3-3. Lui, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, c'est tellement gentil à côté de ce que nous on fait. Et pourtant, c'est horrible ce qu'il fait, hein. Ouais. C'est vrai que c'est... C'est débilisant. Ah, c'est bon, il nous a dépassé aux cartes. Ok. Tant qu'on est devant à la cloque et aux cartes, moi, il n'y a pas de problème. Et on est devant aux deux, je te le dis, on a 12 minutes, nous. Contre Mono Vert Food, ça va souvent à la cloque, hein, parce que c'est très ressourceux comme deck. Bah là, on peut faire le play que t'as dit, ouais. Il attaque avec bête frappée, je crois que je peux laisser passer. C'est quand même chiant, hein, s'il a un moyen de, je ne sais pas, de pump ou Une quoi, t'as pump. quand même pas envie de perdre ton green, je pense. Je Hein. peux donner une 3-3. Ouais, moi je donnerai une 3-3 et je ferai prophétie pour le finir. Ouais. Enfin, prophétie, double contre, enfin tout ce que t'as setup tout à l'heure, quoi. Yep. Là aussi, suivant ce qu'il utilise comme mana, je peux lui contrer un spell. Carrément. Il va ramener un roi troll. Est-ce qu'il va décider de piocher aussi? Il cherche, hein. Ouais, ça lui demande beaucoup d'APM en plus de jouer ce deck-là, donc pour la cloque, c'est pas très bien pour lui. Ça joue en sa défaveur. Bah ouais. Il est impressionnant, hein, ce Mono Vert Food, hein. Franchement, personne ne l'attendait, ce week-end, il a tout cassé. Carrément. Et comme tu peux le voir, il y en a plein en ladder parce que bah, même quand on a joué Winota tout à l'heure, on en a tapé un. Yes. GG. On est allé au bout. Ouais, c'était long, mais c'était bon. Et tu passes 107e vol. Est-ce que ça régale pas? Ouais, ça fait plaisir, ça me régale, ça me régale. Félicitations, Ça fait plaisir. tu l'as juste détruit en fait. Ah, C'est toi qui avais la souris. j'ai pu le faire l'adversaire là. Mais je n'ai pu le faire que parce qu'il y avait ton aura, tu vois.
C'était l'esprit qui me guidait. Franchement, ce deck de Shintaro Ishimura, pour le coup, on l'avait pas joué, on l'avait tous les deux juste vu en decklist et Ouais. il nous paraissait impressionnant dans sa construction. Quand tu le joues, c'est écrasant. Ah, c'est trop trop cool. Surtout, bah, au début, il faisait un peu boui-boui, il prépare son late game. Nous, on a fait OK, bon, bah, on loupe des land drops, mais on va faire ramp-ramp dans gros spell, et c'est bon, ça marche quoi. Régalade. Du coup, ramp est toujours le problème. Hein. Voilà, c'était la morale de cette vidéo. Non, pas du tout. Non, c'est un deck de positionnement, ça va Ouais. bien. Justement, ceux qui veulent être, comme on disait, go big, c'est-à-dire être de plus en plus gros, de plus en plus value, et bah ça, c'est un peu le boss de fin. Mais c'est pas si bien que ça contre les decks très all-in comme Gruul, Exact. comme Honored. Et ça se fait un peu défoncer par Rogue, à mon avis. Je pense que c'est ton pire match-up, genre Ouais. 20% win rate. Ouais, c'est dur quand même, 20% de win rate. Il Ça fait pas y a plaisir. quand même des garde-fous dans le format, ce qui fait que ce deck-là est pas pété. Mais dans la stratégie de vouloir être le plus gros, c'est lui qui a la plus grosse. Ah, ça marche bien, ouais. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Comme d'hab, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.